Prends-moi la main dans la main. À nous bâtir, nation mauricienne. À nous bâtir, nation mauricienne. En temps d'indépendance, pour moi, c'est le temps de célébration. Et quand on veut dire célébration, premièrement, célébration pour toute la nation mauricienne, pour la République mauricienne, pour tout citoyen mauricien, Rodrigue, Agalega, pour tout ça, un citoyen, ça pays. Et quand on veut dire célébration, qui nous peut célébrer 50 ans de travail dur, 50 ans qui nous mettent ses efforts pour rêver réaliser, 50 ans d'efforts qui nous mettaient pour nous ambition. Ambition, c'était plus simple, citoyen, jusqu'à plier la ronde. Aujourd'hui, oui, c'est mérité. Un petit pays comme un Maurice, un des plus petits états d'Afrique d'ailleurs, un petit état insulaire, un pays qui donne l'exemple, depuis les gains d'indépendance, 50 ans, il maintenait une société démocratique. Il quoi développement allait de pair avec la démocratie. Il vient quoi dans la liberté? Il vient quoi dans l'indépendance judiciaire, l'indépendance de la presse? Et ça, c'est un grand exemple. Un grand exemple à nous prendre en considération qui permet à aucun pays d'Afrique qui est capable de rester démocratique depuis tout le long qu'ils ont gagné l'indépendance. Un exemple, définitivement. Pas oublier le contexte qui Maurice gagne l'indépendance. Les gains d'indépendance dans un contexte. Côte 44% de la population, tu votes contre l'indépendance. Les gains l'indépendance dans un contexte, côte tenant à un moment un dérapage communal. Les gains l'indépendance dans un contexte, côté non, plusieurs communautés côte à côte, ok, et tout le monde peut demander, et ben grand expert, il dit, pas pour capable, dans l'émergence, une identité mauricienne. Aujourd'hui, Bouche cousue à tout ça, mon expert là. Parce que 50 ans d'indépendance, fin prouve nous, que nous identité mauricienne fin développée et les multiples. Fin en cohabitation. Fin en nous assistons aux mêmes classes l'école, avec nos mêmes camarades, qu'il y Rats, qu'il y Gérard, qu'il y Mohamed, nous tous fin assistons ensemble, nous n'assistons pas dans même la boutique, nous n'allons l'école ensemble, nous voyageons par même transport, nous n'allons le bazar ensemble, nous n'assistons nos légumes, même place. Et nous finissons développe, nous bon vivre ensemble. Et ça finit important, finit un exemple dans le monde. Nous finissons vivre la diversité. Et quand on veut dire vivre la diversité, nous finissons aussi apprendre, oui, de plusieurs cultures, plusieurs civilisations qui sont présentes sur sa petite île. Civilisation vient de l'Inde, de la Chine. Et quand nous prenons en contexte l'Inde, il même paraît, je dirais, une nation qui a beaucoup de cultures, beaucoup de pays dans les mêmes. Ok? Nous apprenons déjà culture du nord, culture du sud, culture de l'est, culture de l'ouest, culture d'Europe, culture d'Afrique. Nous finissons apprendre de toutes ces civilisations qui aujourd'hui, le Mauricien, l'icône Shakespeare, l'icône Molière, l'icône Tagore, okay, il comprend les grands combats et ça finit enrichir l'âme mauricienne lui-même. L'âme mauricienne est bien riche. Nous n'avons pas besoin d'apprendre diversité dans l'université. Nous finissons vivre dans 50 ans. Et encore du succès économique. Un pays limité. Nous ne sommes pas un grand expert dans Maurice. Nous ne sommes pas un grand expert. Mais nous réussissons un challenge économique. Un grand expert, s'il vous plaît. Pas un des trois grands économistes de renom qui dirait qu'il ne peut pas réussir. Mais c'est qui est important de là quand nous finissons réussir. Finalement, quelque chose qui finit devant. Non seulement la débrouillardise mauricienne, mais ce qui nous vient devant, parce que tout le monde croit dans trois affaires. Tout le monde a envie de progresser, tout le monde croit dans la prospérité, et tout le monde croit dans le bonheur. C'est sa vision partagée qui finit là, pour que Maurice vienne jusqu'à là. Et à ce terme, bien sûr, prochain 50 ans, oui, nous avons une ambition, nous avons un rêve, moi personnellement, moi j'ai envie de souhaiter un certain développement Maurice. Moi j'ai envie que Maurice nous adopte la technologie. Moi j'ai envie que Maurice vienne un pays fort dans sa région là, en qu'il s'agit l'adoption de technologie qui pour faire nous faire un giant leap devant. Moi j'ai pour content encore beaucoup plus de ressources humaines à Maurice.
avec 1.2, 1.3 millions pour réussir des grands challenges, pour venir comment Singapour finir faire dans l'Asie. Peut-être nous besoin des 3, 4, 5 millions de monde qui restent dans un pays. Et tout ça là, nous besoin d'être capable d'attirer les meilleures ressources qui viennent. Mais les meilleures ressources qui viennent de Maurice avec toute l'expertise et certainement contribuer dans l'économie du pays. Mais au-delà de contribuer de l'économie, etc., qui nous grâce à l'équilibre là, ça l'ordre de vie, où il fait bon vivre à Maurice. Vous connaissez, ça développement humain là est important. Moi, j'ai envie de trouver Maurice quand il s'agit de mon index de développement humain, que ce soit pour un académicien, que ce soit pour les Nations Unies, nous, si nous grimper, nous venons parmi les premiers cinq. Nous, capables, nous venons plus bien que un pays scandinave, qui Danemark, etc. Nous venons pas un pays qui top the list to the world. C'est un rêve qui m'énerve pour mon pays. Moi, j'ai envie, bien sûr, d'un changement. On va dire changement de mentalité, changement de mindset, changement de regard. OK? Et ce regard-là, nous comprend bien l'identité mauricienne. Hein? Fini les couleurs communautaristes, nous retenons ce qui est meilleur. Hein? Les irrespectifs, caste, communauté, coteau sorti, hein? Nous élimine ce qui est meilleur. Ce qui est meilleur qui prend la place devant. Et ça que nous souhaitons trouver, et peut-être nous pas connaître, nous capables d'un vote à suffrage, suffrage national, pour président, pour premier ministre, et bien sûr, et nous ce qui intéresse nous, c'est trouver les meilleures personnes, les gens les plus capables, dans une position de responsabilité. Plus nous avons des gens qui sont plus capables, qui ont plus de vision, qui intègrent, nous sommes capables de Maurice encore beaucoup plus loin. Rêve qui nous est là, qui ce pays-là continue à rayonner, rayonne pas non seulement dans l'océan Indien, rayonne sur toute l'Afrique, rayonne parmi tout l'État Small Island Development State, rayonne quand il s'agit de ce récit, hein, surpasse même un petit grand pays, et qui nous vient une référence de petit grand pays, non seulement dans l'Afrique, mais devant une grande nation aussi, qui va dire oui, c'est un petit grand pays, parce qu'il y a ce dire, nous sommes capables de vivre au même niveau qu'eux, au contraire, faire mieux dans certains secteurs qui n'ont. Ça me souhaite de voir sur Maurice, et bien sûr, voir que Maurice, bien sûr, est dans sa bon vivre ensemble, là, et dans sa chaleur humaine là, rester, et dans sa manne, un beau paysage qui fait la beauté de Maurice réussir, et nous maintenir, comme sa grand philosophe là, dire, qui Heaven is copied from Mauritius, qui nous garde ça même, ça raisonnement là pour tout visiteur qui vient de Maurice et qui dit yes, Mauritius, Heaven has been copied from Mauritius. C'est ça qui nous est et à ce moment bien sûr, et tous les vœux de bonheur à toute sa nation qui aide construire Maurice, qui nous allons encore plus loin. D'ailleurs, comme c'est si bien dit en anglais, the sky is the limit.